Bonjour, donc nous recevons aujourd'hui Romain Badois, qui est maître de conférence en sciences de l'information et de la communication à l'Université de Cergy-Pontoise, où il est également l'un des 74 chercheurs du laboratoire Agora. C'est un centre de recherche en lettres, sciences humaines et sociales. Ses recherches portent principalement sur les mouvements d'opinion, les mobilisations politiques et la participation citoyenne sur Internet. Et depuis l'année dernière, il est membre de l'Observatoire des médias et éducation du CSA. Donc, il nous parlera aujourd'hui de l'Internet principalement. Alors, l'avènement de l'Internet, a été vécu comme la libération du discours, un outil de démocratisation en termes de liberté de parole et d'autonomisation de la société. Sauf que, parallèlement à cet Internet, se sont développés les réseaux sociaux, ce qui a permis à chacun d'être entendu par tous et a donné une toute autre ampleur au débat public, pour le meilleur et pour le pire. Le pire étant sans doute à venir, surtout si on en croit Amy Webb, qui est un journaliste américain spécialiste des médias, qui pense que si les médias classiques ne se mobilisent pas en masse, mais ça, elle n'y croit pas beaucoup, elle pense que les journalistes auront à consacrer beaucoup de temps à vérifier la véracité des informations, et que si rien de tout ça n'est fait, elle dit elle-même, les médias d'info s'effondreront, il y aura de vastes campagnes de désinformation et la démocratie s'écroulera. Rien que ça. Alors, vous allez sans doute, sûrement, nous parler des fake news qui nous tracassent tous. Mais auparavant, je voudrais que vous reveniez sur le design des plateformes, c'est-à-dire leur organisation, qui constitue un premier filtre des informations qui nous parviennent et montre le rôle éminemment politique de ces plateformes, sachant que selon l'algorithme retenu, les informations ne nous arrivent pas du tout de la même façon. Bien, bonjour à toutes et à tous, et merci beaucoup à l'Observatoire des médias pour votre invitation. Je suis ravi d'être avec vous cet après-midi. Effectivement, pour vous parler un peu d'Internet, des enjeux politiques d'Internet, des enjeux d'Internet pour la démocratie, à partir de ce livre qui est sorti à la rentrée dernière, Le désenchantement de l'Internet, et dont le point de départ, en fait, est ce sentiment que l'on peut avoir dans l'opinion publique aujourd'hui, qu'on a une sorte de perte de confiance dans la capacité d'Internet à être un véritable outil au service de la démocratie. Et ça, c'est particulièrement intéressant, puisque depuis son invention, ou tout du moins depuis l'Internet grand public, dans les années 90, on a toujours eu le sentiment qu'Internet était un outil au service de la liberté d'expression, qu'Internet était un outil au service de l'émancipation des citoyens. Et depuis le début des années 2010, pour le dire assez vite, on a un sentiment de désillusion, de désenchantement par rapport à tous ces espoirs qui avaient été placés dans Internet. Et c'est vrai que ces dernières années, dans les médias, on entend beaucoup parler. Alors en ce moment, ce sont les fake news, ces fausses informations qui circulent massivement sur les réseaux sociaux. Mais on parle aussi beaucoup des discours haineux, on parle aussi beaucoup du harcèlement sur Internet, des nouvelles formes de propagande, des nouvelles formes de censure. Et donc le principe de ce livre, c'était vraiment d'interroger ces différentes désillusions du point de vue des sciences sociales, c'est-à-dire de faire une synthèse des travaux de sciences sociales, de sociologie, de sciences politiques, de sciences de la communication, etc., qui s'intéressent aux enjeux politiques d'Internet, pour voir si ces désillusions, au final, est-ce qu'elles sont vraiment fondées sur le terrain ou pas. Ce sentiment de désillusion par rapport à Internet, c'est difficile de trouver un événement vraiment qui a créé une bascule, mais on peut quand même dire que l'affaire Snowden, au début des années 2010, ça a été quand même un premier point marquant à ce niveau-là. Alors l'affaire Snowden, si vous ne vous rappelez pas de quoi il s'agit, Edward Snowden, c'est cet informaticien qui travaillait pour les services de renseignement américains et qui a rendu public l'information selon laquelle le gouvernement américain surveillait l'ensemble des communications sur Internet à travers son programme PRISM. Et donc, à partir de cette affaire Snowden, on s'est rendu compte que Internet pouvait aussi être un outil
au service de la surveillance des populations, d'un point de vue un peu orwellien à ce niveau-là. Et donc voilà, ça a été un premier point de bascule. Alors, ce que je voudrais faire là dans les minutes dont je dispose, c'est essayer justement de faire un petit panorama sur ce qu'on peut dire aujourd'hui du rôle d'Internet en démocratie et plus particulièrement de la culture politique d'Internet, c'est-à-dire de la manière dont on débat sur Internet, de la manière dont on participe politiquement et en quoi justement cette nouvelle culture politique qui a émergé sur Internet, elle bouscule un petit peu les formes traditionnelles d'organisation du débat public en démocratie. Alors, ce petit panorama, je vais vous le faire en sept points assez rapides. Le premier point, qui est vraiment essentiel pour bien comprendre la manière dont s'organise le débat sur Internet, c'est la question de la disparition de ce que les anglo-saxons appellent les gatekeepers. Les gatekeepers que sont les journalistes, les éditeurs, les programmateurs sur les chaînes de radio, de télévision, qui, jusqu'à l'avènement d'Internet, disposaient d'un pouvoir de filtrage très important sur les informations. Alors le mot gatekeeper en anglais, ça veut dire un portier, enfin quelqu'un qui gère l'entrée dans un lieu. Et en l'occurrence, pourquoi on dit que les journalistes sont des gatekeepers ? Parce qu'ils ont le pouvoir de décider qui peut prendre la parole dans l'espace public, qui a le droit de s'exprimer. C'est assez facile à comprendre. Un journaliste de télévision ou de radio décide de quel intervenant il souhaite inviter et il peut aussi décider de ne pas inviter telle personnalité. Et à partir du moment où il n'invite pas une personnalité, il le prive de tribune et donc il rend beaucoup plus difficile sa prise de parole dans l'espace public. Donc les journalistes, avant Internet, disposaient d'un pouvoir énorme sur qui a le droit de parler dans le débat public et qui est exclu de ce débat public. Alors évidemment, la première grande évolution apportée par Internet, c'est de rendre caduque ce rôle de filtrage des journalistes, puisque sur Internet, n'importe qui, enfin, ou n'importe quel individu connecté, peut très facilement prendre la parole. Peut très facilement prendre la parole, d'abord avec les blogs, ensuite maintenant avec les réseaux sociaux, peut très facilement s'exprimer et donner son avis sur l'actualité et intervenir dans le débat public. Alors, quand on a dit ça, on n'a pas dit grand-chose, parce que, certes, ce pouvoir de gatekeeper des journalistes traditionnels, il a disparu, mais la pratique de filtrage des informations, elle existe sur Internet. Sauf que ce ne sont plus les journalistes qui le font, ce filtrage, ce sont les algorithmes des moteurs de recherche et les algorithmes des réseaux sociaux, qui vont décider non pas de qui peut prendre la parole ou qui en est exclu, mais plutôt qui vont décider de quel type de parole est visible dans l'espace public et quel type de parole est invisible. Le sociologue Dominique Cardon, qui est intervenu dans ce cycle également, disait que la grande différence avec Internet, c'était avant Internet, on était dans un contrôle éditorial a priori. Un contrôle éditorial a priori, qu'est-ce que ça veut dire ? C'est-à-dire que les informations étaient privées par défaut, et les journalistes décidaient des informations qu'on allait rendre publiques. Ce qu'il nous dit, Dominique Cardon, c'est qu'aujourd'hui, on est passé dans un contrôle éditorial a posteriori. Les informations sont publiques par défaut, sur Internet, et les algorithmes des moteurs de recherche vont décider de quelles informations sont visibles et quelles informations sont invisibles. Puisqu'il faut savoir, par exemple, que sur Google, lorsque vous faites une recherche sur Google, le moteur de recherche va vous dire, si vous tapez Université permanente Nantes, par exemple, le moteur de recherche va vous dire « Je peux vous proposer 100 000, 200 000, 300 000 réponses en lien avec la requête pour laquelle vous cherchez des informations. » Ce que l'on sait, c'est que les trois premiers résultats sur Google sont vus par l'ensemble des internautes, 100% des internautes les voient, mais que le dixième site, la dixième réponse, qui est la dernière sur la première page, n'est plus vu que par 20% des internautes.
Donc, je ne parle même pas de la deuxième page, de la troisième page, de la dixième page, de la centième page. Donc, vous voyez bien que ce qui compte sur Internet, c'est moins de prendre la parole, de dire quelque chose, que d'essayer de rendre visible cette prise de parole. Et si on veut rendre visible cette prise de parole, eh bien, il faut justement négocier un peu avec les algorithmes des moteurs de recherche, des réseaux sociaux. C'est une question de design, justement, comme vous le soulignez. Je vais revenir dessus après. Donc ça, c'est le premier point. Les mécanismes de filtrage de l'information ont évolué. Et ce filtrage n'est plus le fait des journalistes, n'est plus le fait des professionnels de l'information, mais le fait des moteurs de recherche, des réseaux sociaux, des outils technologiques développés par des grandes firmes, notamment de la Silicon Valley. Le deuxième point très important pour comprendre comment fonctionnent un peu les échanges démocratiques sur Internet, c'est la question de la parole d'autorité. La question de la parole d'autorité. Dans les médias traditionnels, ce qui fait que votre parole a du poids, que votre argument va apparaître comme un argument d'autorité, est lié à votre statut. Imaginons une émission télévisée de débat qui porterait par exemple sur le risque nucléaire. Sur ce plateau télévisé vont être amenés à intervenir des experts, alors on peut imaginer quelqu'un qui représenterait l'Agence de sûreté nucléaire. Quand cette personne s'exprime, on la présente comme un expert de l'Agence de sécurité nucléaire, et c'est ce titre-là qui va fonder le poids de ses arguments. On va accorder du poids à ce que va dire cette personne parce que son titre vient attester d'une connaissance, d'une compétence dans le domaine. Sur Internet, les choses se passent de manière assez différente, c'est-à-dire que dans la culture de l'échange sur Internet, on considère que tous les internautes sont à égalité. Tous les internautes sont à égalité dans la manière de prendre la parole. Une bonne illustration de cet élément, ce sont les discussions sur Wikipédia. Alors, j'imagine que vous êtes toutes et tous déjà allés sur Wikipédia pour consulter une page. En fait, ce que peut-être vous n'avez pas remarqué, c'est que lorsque vous êtes sur Wikipédia, vous consultez en fait une page particulière qui est la page article de l'encyclopédie, mais vous êtes sur un onglet article. Et vous irez voir la prochaine fois, en haut à gauche, à côté de l'onglet article, vous avez un onglet discussion, et qu'est-ce que vous allez voir dans cet onglet discussion ? Les débats entre les rédacteurs de la page qui essayent de trouver des points d'accord, justement quand ils sont en désaccord sur ce qu'ils doivent écrire sur cette page. Alors imaginons la page Wikipédia sur le risque nucléaire, forcément les rédacteurs ne sont pas tous d'accord entre eux. Entre des militants qui sont très opposés à l'énergie nucléaire, et inversement des défenseurs de l'énergie nucléaire, la manière de présenter le potentiel et les risques vont être très différents. Donc quand il y a un désaccord sur Wikipédia, on va sur la page discussion, on échange avec la communauté des rédacteurs et on essaye de trouver une solution médiane. Sur les pages discussion de Wikipédia, vous n'avez pas le droit de mentionner votre statut, et si vous le faites, vous serez exclu de la page de discussion. C'est-à-dire qu'on attend de vous que vous soyez capable de convaincre la communauté avec votre argument, mais pas en ayant justement ce statut d'autorité qui influence la discussion. Donc les experts et les profanes sont au même niveau, les élèves et les enseignants sont au même niveau, et donc il y a cette idée vraiment très égalitaire dans l'échange qu'on ne retrouve pas dans les autres médias. Pour autant, là aussi, ça ne veut pas dire que l'autorité a totalement disparu sur Internet, loin de là. Mais elle s'est reconfigurée, cette autorité. Et aujourd'hui, qu'est-ce qui fait que votre parole ou votre argument, il a du poids sur Internet ? Ça, c'est plutôt lié à votre popularité. À votre popularité qui va être quantifié sur les réseaux sociaux par votre nombre de followers sur Twitter, votre nombre d'amis sur Facebook, votre nombre d'abonnés sur YouTube. Et en fonction du nombre de personnes qui vous suivent, vous allez avoir un impact plus ou moins grand dans le débat, puisqu'il va y avoir plus ou moins de personnes qui vont être capables de relayer votre argument. Donc ça, c'est le deuxième point, cette idée que l'argument d'autorité aujourd'hui, il se reconfigure autour d'un point de vue de popularité, de notoriété, ce qui pose aussi
un certain nombre de problèmes. Je n'ai pas le temps de développer là-dessus, mais on sait qu'aujourd'hui, sur Internet, il y a un véritable marché noir de l'influence, de la notoriété, où des gens vont acheter des faux amis, ils vont acheter des fausses vues sur YouTube, etc., pour donner l'impression qu'ils ont de l'autorité, justement, qu'ils sont écoutés, alors qu'effectivement, ce n'est pas vraiment le cas. Avec 10 euros, on achète un millier de likes. Voilà, exactement. Et Trump en affichait 4 millions, et en fait, il y en avait 2 millions qui venaient... Pendant la campagne, Trump a affiché 4 millions de followers, et on s'est aperçu après coup que 2 millions étaient situés en Malaisie, au Mexique, aux Philippines, et qu'en fait, ils étaient... payer pour suivre Trump, pour être ami de Trump. Exactement. Ça, c'est un très bon exemple, effectivement. À partir du moment où Trump devient le candidat officiel du Parti républicain, des journalistes se rendent compte que son nombre de followers d'amis sur Facebook a explosé. Et ils se rendent compte, effectivement, que ces nouveaux venus viennent principalement de Malaisie, de pays d'Asie. Donc, concrètement, on soupçonne l'équipe de Trump d'avoir acheté des faux amis qui vont donner l'impression que Trump est beaucoup suivi. Alors, d'autant plus que la notoriété qui est produite de cette manière, elle est complètement artificielle, parce que les faux comptes qui sont créés ne relaient pas l'information après. Donc c'est vraiment juste un indicateur artificiel pour donner l'illusion qu'on est important, écouté, etc. Et puis voilà, il y a un autre problème derrière qui est ce qu'on appelle le digital labor, les formes d'exploitation à l'ère du numérique, c'est-à-dire que les personnes qui en Asie ou dans d'autres pays du monde sont produisent ces faux comptes sont des gens qui sont complètement exploités, sous-payés, qui passent leur journée derrière un écran d'ordinateur à créer des faux comptes ou à cliquer sur des vidéos pour faire des fausses vues. Donc il y a vraiment un marché noir de la notoriété à ce niveau-là. Le troisième point dans cette question du rapport entre débat public et Internet, c'est la barrière, la frontière entre vie privée et vie publique qui s'est complètement floutée avec l'avènement des réseaux sociaux. Cette barrière entre vie privée et vie publique qui s'est floutée avec l'avènement des réseaux sociaux, c'est-à-dire que avant l'avènement d'Internet, les citoyens, vous et moi, on avait notre vie privée. On était chez nous, avec notre famille, nos amis, ça ne regardait que nos proches. Et puis lorsqu'on voulait s'engager pour une cause, quand on voulait s'engager dans l'espace public, il fallait qu'on sorte de notre vie privée, qu'on mette notre habit de citoyen, qu'on aille dans la rue pour manifester, qu'on s'engage dans une association, etc. etc. Mais il y avait une frontière très nette entre ce qui relevait de la vie privée et ce qui relevait de la vie citoyenne. Cette frontière, comme je le disais, elle a tendance à s'estomper parce que, justement, avec les réseaux sociaux, on est dans un espèce d'entre-deux. Ça veut dire que lorsqu'on va parler de l'actualité, lorsqu'on va s'indigner ou publier une tribune sur Facebook ou sur Twitter, on va toujours le faire à la première personne, en ancrant ça dans le contexte de ses proches qui nous suivent. Et inversement, des témoignages personnels peuvent devenir des causes publiques. Par exemple, tout le mouvement autour de Balance ton porc et MeToo, c'est une bonne illustration de ça, c'est-à-dire qu'on a des témoignages qui sont très personnels, qui, par le relais des hashtags, vont former une mobilisation politique citoyenne, alors que, avant Internet, effectivement, ce genre d'agrégation d'expériences personnelles n'aurait pas été possible. Donc ça, c'est vraiment important, c'est que les discussions politiques aujourd'hui sur Internet, elles sont vraiment ancrées dans la vie quotidienne, dans notre manière d'échanger avec nos proches, nos amis, notre famille, etc. Le quatrième point, c'est la question de la dimension identitaire du partage des informations sur les réseaux sociaux. La dimension identitaire du partage des informations sur les réseaux sociaux, qu'est-ce que j'entends par là ? J'entends par là qu'effectivement, partager de l'information d'actualité sur Facebook, sur Twitter, c'est devenu une des activités principales que l'on peut avoir sur les réseaux sociaux. Quand on partage de l'information sur les réseaux sociaux, pourquoi on fait ça ? On le fait d'abord parce qu'on veut informer notre cercle de proches sur certains événements d'actualité, certains points de vue, certains contenus qu'on a trouvé intéressants et qu'on veut leur signifier en disant « vous pouvez lire cet article, il est intéressant ».
Mais en même temps, lorsqu'on fait ça, on dit aussi quelque chose de nous. C'est-à-dire que quand on partage de l'information sur les réseaux sociaux, on a aussi envie de montrer qu'on s'intéresse à un sujet en particulier ou qu'on partage une opinion sur un sujet. Et donc le partage des informations, il participe à la construction de notre identité numérique. Et ça, pourquoi c'est important ? C'est très important, par exemple, dans la controverse sur les fake news, les fausses informations qui circulent beaucoup sur Internet. Il y aurait beaucoup de choses à dire, peut-être qu'on pourra revenir sur le sujet dans la discussion, mais il y a une question fondamentale qui est, vu le partage massif de ces fausses informations, qui est de savoir, mais pourquoi les gens partagent autant des fausses informations ? Et ce que nous disent les études de sciences sociales sur le sujet, c'est qu'au final, les gens ne sont pas si crédules que ça. C'est-à-dire que les gens qui partagent des fausses informations ne croient pas forcément dur comme fer à ce qu'ils partagent. C'est plutôt qu'ils vont adhérer à la vision du monde que propagent ces fausses informations. Et aujourd'hui, quand on regarde quelles sont ces fausses informations qui circulent sur les réseaux sociaux, on se rend compte qu'elles sont très marquées à droite et à l'extrême droite surtout, hein, qu'elles sont beaucoup produites par des réseaux politiques, organisés, sympathisants d'extrême droite, qui visent justement à influencer les internautes, notamment en période de campagne électorale. Et les gens qui les partagent, ces fausses informations, ne croient pas forcément, par exemple, les fausses informations pendant la campagne présidentielle qui ont été massivement publiées. Il y avait cette fausse information qui disait que si vous étiez célibataire, vous alliez être obligé d'accueillir un migrant chez vous. Alors, fausse information qui paraît totalement incongrue. Alors, vous voyez bien le saut de l'extrême droite aussi qui est derrière. Mais ça a été massivement partagé, cette fausse information. Ça ne veut pas dire que les gens étaient persuadés que, effectivement, lorsque vous étiez célibataire, vous alliez être obligé d'accueillir un migrant chez vous. Mais ça veut dire que les gens qui partageaient cette information exprimaient une forme de ras-le-bol, d'indignation. Et donc, les fausses informations, elles ont une dimension identitaire, elles ont une dimension politique, elles sont, quelque part, le vecteur d'une forme d'indignation citoyenne sur un certain nombre de sujets. Et d'ailleurs, quand on regarde précisément de quoi parlent les fake news, en France, elles parlent énormément de la dépense publique, les impôts qui augmentent pour les personnes les plus en difficulté, les impôts qui sont allégés pour les personnes les plus riches, les personnalités politiques qui gèrent mal l'argent public, etc. etc. Donc il y a vraiment une dimension d'indignation qui est très forte. Et donc, on voit bien que partager des informations, c'est aussi une manière de dire « je me raccroche à telle communauté idéologique » ou tout simplement « je suis indigné, j'ai envie d'exprimer un discours contre les élites politiques, intellectuelles, médiatiques ». Donc ça, c'est vraiment un événement, un point qui est aussi très important. Le cinquième point, c'est ce qu'on a appelé sur Internet la démocratie « push-button ». Donc en anglais, push button, pousser un bouton, appuyer sur un bouton. Qu'est-ce que ça veut dire, la démocratie push button ? C'est-à-dire qu'effectivement, sur Internet, les manières de participer sont très peu contraignantes. On peut participer en un clic, c'est pour ça, push button, hein, vous appuyez, vous cliquez sur votre souris, pour relayer une information sur Twitter, pour partager aussi une information sur Facebook ou liker une information sur Facebook, signer une pétition sur des plateformes de pétition en ligne, qui est une forme de participation qui est très utilisée en France. Et donc, effectivement, c'est peu contraignant. On est tranquille sur son canapé, on va signer une pétition, on va avoir l'impression d'avoir agi, d'avoir été engagé, mais effectivement, on n'a pas fait grand-chose. Donc ces formes de participation, elles sont très décriées comme une forme de dévoiement de l'engagement politique, hein, où on dit, non mais s'engager, ça veut dire aller tracter sur les marchés, aller manifester, il faut suer, il faut y accorder du temps, etc., etc. Alors certes, c'est peu contraignant, mais ces formes de démocratie en un clic, push-button, elles ont aussi un pendant positif qui est de permettre à toute une partie de la population qui n'est pas très à l'aise avec l'écrit d'exprimer aussi des prises de position. Parce que effectivement, lorsque vous prenez la parole sur Internet, tout passe par l'écrit.
tout passe par l'écrit, et donc, si vous voulez être pris au sérieux, il faut quand même avoir une bonne maîtrise de l'orthographe, de la grammaire. Si vous publiez un statut rempli de fautes d'orthographe, vous n'allez pas être pris très au sérieux. Les formes de participation en un clic, elles permettent justement à des personnes qui ne sont pas trop à l'aise avec l'écrit de dire bah, « moi je suis d'accord avec ce point de vue, je soutiens cette mobilisation et j'ai envie de montrer mon soutien ». Et c'est pour ça qu'elles sont quand même intéressantes, ces formes de participation, parce qu'elles sont des nouveaux indicateurs des mouvements d'opinion. Et ça, c'est quelque chose d'important. Par exemple, lorsqu'il y a eu le mouvement contre la loi travail, en 2015, il y a eu cette pétition sur change.org qui avait réuni presque 1,5 million de signataires. On en a parlé, les journalistes ont relayé l'information en disant c'est quand même un indicateur d'un mouvement de contestation. Après, on peut tergiverser sur la valeur qu'a la signature d'une pétition en ligne, mais quand même, pour arriver à un tel chiffre, c'est qu'il y a un mouvement de contestation par rapport à cette loi. Et pourquoi c'est important, le fait de permettre à ceux qui ne sont pas très à l'aise avec l'écrit aussi de participer de cette manière? Parce qu'on sait très bien que les compétences écrites, elles sont très inégalement réparties, sociologiquement parlant, dans la population. C'est-à-dire que les personnes les plus en difficulté, les plus exclues, sont ceux qui ont plus de mal avec l'écrit, et donc ça leur permet aussi de prendre la parole sur Internet. Alors, en France, c'est un fossé qui est moins important que dans d'autres pays, mais par exemple, pendant le printemps arabe, c'est quelque chose qui a été très utilisé, notamment en Tunisie, dans un pays où l'éducation n'atteint pas le taux d'alphabétisation n'est pas le même qu'en France, la possibilité de pouvoir relayer des appels à manifestation en un clic, de changer sa photo de profil pour mettre un drapeau tunisien ensanglanté pour dire qu'on soutient les manifestants. Voilà, c'est effectivement des formes de participation très simples, mais qui permettent à toute une population en marge du débat public habituellement de pouvoir y prendre part. Le sixième et avant-dernier point, là aussi c'est quelque chose dont on a beaucoup parlé dans les médias ces dernières années, qui est la question de l'enfermement idéologique sur Internet. L'enfermement idéologique sur Internet, avec notamment cette idée des bulles de filtrage, qu'on a appelées les bulles de filtrage. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que lorsque vous vous informez sur Internet, vous allez avoir tendance à être toujours conforté dans vos opinions plutôt que confronté à des opinions contraires. Alors que pour que le débat public fonctionne correctement en démocratie, il faut justement que nous, en tant que citoyens, on soit mis en face d'arguments contradictoires. Un journaliste qui organise un débat, il est censé mettre en scène le pour, le contre, pour qu'on puisse faire évoluer nos propres opinions sur la question. Or, sur Internet, comme je vous le disais, on a plutôt tendance à avoir des informations qui nous confortent dans nos opinions. Comment ça marche? Là, justement, c'est une question de design, c'est une question d'algorithme. Alors, les algorithmes, ce sont ces formules mathématiques qui vont décider de la manière dont les informations nous parviennent en tant qu'internautes. Comment ça marche sur les moteurs de recherche? Sur les moteurs de recherche, on sait que Google, par exemple, personnalise les recherches que nous effectuons en fonction de nos recherches passées. C'est-à-dire que si vous et moi, nous faisons une recherche sur Emmanuel Macron, par exemple, ou sur les migrants à Calais, les réponses que Google va nous proposer vont être très différentes en fonction des recherches passées que nous avons faites. Si Google a identifié que nous étions plutôt à droite ou plutôt à gauche, il va nous proposer des informations qui vont être identifiées comme plutôt à droite, plutôt à gauche, pour que nous préserver, qu'on soit dans un certain confort, de ne pas être confronté à des arguments contraires. La première personne à avoir parlé de bulles de filtrage sur Internet, c'est un intellectuel américain qui s'appelle Eli Pariser. Et en introduction de son livre The Filter Bubble, donc les bulles de filtrage, il donne un exemple de la manière dont ça fonctionne qui est très intéressante. Ça se passe pendant la marée noire dans le golfe du Mexique, au début des années 2010, si vous vous rappelez, hein, ce puits de forage qui a fui pendant des jours et des jours en polluant le golfe.
et qui était sous la responsabilité de la compagnie British Petroleum, BP. Et ce que dit Elie Pariser, c'est, il nous dit, moi, pendant la marée noire, quand je cherchais une information sur BP sur Google, les premières informations que Google me proposait étaient des informations sur la marée noire, avec un point de vue désastre écologique. Je suis New-Yorkais, je suis démocrate, je vis, je suis un intellectuel, donc effectivement, je suis plutôt marqué à gauche. Mais j'ai un oncle qui vit dans le Midwest américain, qui lui est plutôt républicain. Et quand lui tapait à la même période BP, British Petroleum, sur Google, les premiers résultats que lui proposait le moteur de recherche, c'était des propositions d'investissement dans la compagnie, acheter des actions pour rentrer dans le capital de BP. Donc ça, c'est une bonne illustration de la manière dont, en fonction de nos préférences idéologiques, Google, les moteurs de recherche, nous proposent des informations qui vont nous conforter dans nos opinions, et ce qui mène aujourd'hui à une véritable guerre de l'information sur Internet, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de sites qui essayent d'être les premiers dans les résultats de Google sur des sujets de société controversés. Là, par exemple, vont commencer les états généraux sur la bioéthique, tout ce qui touche à l'IVG, la PMA, la fin de vie, l'euthanasie, etc., qui sont des sujets sensibles, les opposants et les pour, les contre vont essayer d'influencer l'opinion en faisant placer leur site en première position sur Google. Donc ça, c'est la première bulle idéologique, celle des réseaux sociaux, des moteurs de recherche. Il y en a une autre qui est celle du web en général. Je ne rentre pas dans les détails, mais on sait que dans la manière dont est organisé le web, les sites se lient entre eux par préférence idéologique. Donc les sites de gauche se lient entre eux, les sites de droite se lient entre eux. Et quand vous naviguez de lien en lien, vous avez tendance à rester dans des bulles hermétiques. Je passe là-dessus. Troisième bulle idéologique, celle des réseaux sociaux, c'est de celle-là dont on a beaucoup parlé, notamment pendant la campagne présidentielle américaine, notamment pendant la campagne sur le Brexit au Royaume-Uni, la manière dont les réseaux sociaux, là aussi, nous enferment dans des bulles idéologiques via leur algorithme, l'algorithme de Facebook qui est le EdgeRank. Alors je ne sais pas dans la salle, combien de personnes ont un compte Facebook à main levée pour que je me rende compte à peu près ? D'accord, vous êtes assez nombreux. Peut-être que les autres, vous voyez un peu à quoi ça ressemble, même si vous n'avez pas de compte. Donc quand vous arrivez sur Facebook, qu'est-ce que vous avez ? Vous avez votre fil d'actualité où vous voyez les informations publiées par vos amis, par vos contacts sur le réseau social. Ce que vous ne savez peut-être pas, c'est que sur ce fil d'actualité, vous ne voyez que 20% des informations publiées par vos amis. C'est-à-dire que 80% de vos amis sur Facebook sont exclus de ce fil d'actualité. Vous ne voyez pas ce qu'ils postent toute la journée sur Facebook. Comment Facebook fait ce tri entre les gens que vous allez voir, les gens que vous n'allez pas voir ? Tout simplement en fonction de la proximité que vous avez avec ces personnes-là. C'est-à-dire que plus vous avez d'échanges avec une personne, c'est-à-dire plus vous allez commenter ses statuts, ses articles, plus vous allez les liker, plus vous allez les partager, et plus Facebook se dit « Ah, ces deux personnes sont proches, donc je vais privilégier les informations que publie cette personne sur le fil d'actualité. » Alors vous me direz, jusqu'ici, tout va bien. Effectivement, si vous avez 100, 200 amis, vous ne leur accordez pas tous la même importance et vous préférez voir les informations des gens dont vous êtes le plus proche. C'est logique. Là où la machine se grippe un peu, c'est à partir du moment où Facebook devient une des portes d'entrée principales vers l'information d'actualité. Ce qui est devenu le cas aujourd'hui, ce n'était pas le but de Facebook à la base, mais il y a de plus en plus de personnes qui s'informent sur les réseaux sociaux, et notamment les plus jeunes, les 18-25 ans, Facebook, c'est leur première source d'information. Et donc, vous voyez pourquoi la machine se grippe à ce niveau-là, parce que ça veut dire que si je ne m'informe que sur Facebook, les informations que je vais consulter sont celles qui ont été publiées par mes proches, mais par les gens dont je suis le plus proche. Et sociologiquement parlant, on sait que les gens dont on est le plus proche sont ceux qui pensent le plus comme nous. Hein, on sait qu'en sociologie du vote, on sait qu'on a tendance à voter comme ses parents, comme ses frères et sœurs un peu moins, mais il y a l'influence familiale, elle est très importante sur le vote.
On sait qu'on partage un certain nombre de valeurs, de convictions avec ses amis proches, et donc que, voilà, politiquement parlant, on a des idées proches avec les gens qui nous entourent. Et donc à partir du moment où les informations qu'on consulte sur Facebook sont celles partagées par ceux qui nous ressemblent, et bien de la même façon, on va être conforté dans nos opinions, on ne va pas être mis en face d'arguments contradictoires. Pendant la campagne sur le Brexit, après plutôt la campagne sur le Brexit, la rédactrice en chef du Guardian, donc le journal de référence au Royaume-Uni, Catherine Wiener, a publié un long papier qui s'appelait « How Technology Disrupted the Truth », comment la technologie a piraté la vérité. Donc c'est elle, la première, qui dans ce papier parle d'air post-vérité, pour parler du débat public sur Internet. Et qu'est-ce qu'elle nous dit, Catherine Wiener ? Elle nous dit « Mais moi, je suis journaliste. Moi aussi, je m'informe beaucoup sur les réseaux sociaux. Sauf que sur les réseaux sociaux, je suis journaliste au Guardian. Bon, voilà, concrètement, je suis du progressiste, plutôt de gauche, etc. Donc mes amis sur Facebook, ils me ressemblent. Pendant la campagne, je n'ai vu que des informations en faveur du maintien du Royaume-Uni dans l'Union européenne. Je n'ai pas vu les pro-Brexit. Je ne les ai pas vus sur Facebook. Donc ça m'a conforté dans cette idée que c'était impossible que les citoyens britanniques votent pour sortir de l'Union européenne. Même remise en cause, après la campagne électorale aux États-Unis, du côté du New York Times cette fois-ci, où les journalistes, de la même façon, ont dit « Pareil, on est des New-Yorkais, démocrates, progressistes, nos amis sur Facebook sont comme nous ». On n'a vu que des informations anti-Trump circuler sur Facebook, alors même que les informations pro-Trump étaient très nombreuses, mais juste, ils ne les voyaient pas, elles n'étaient pas visibles. Et donc, ça les a confortés dans cette idée que c'était impossible que Trump l'emporte. Et donc, c'était vraiment ça qui a fait débat, cette idée qu'on reste dans des bulles idéologiques sur les réseaux sociaux, puisqu'on voit les informations de nos proches, qui sont celles qui nous ressemblent, et comme je le disais tout à l'heure, pour qu'un débat public fonctionne en démocratie, il faut qu'il soit contradictoire, il faut qu'on soit confronté à ceux qui ne pensent pas comme nous. C'est quand même ça, c'est un point central en démocratie. Et puis, le septième et dernier point que je voudrais aborder, c'est la question de la privatisation d'Internet. Alors, qu'est-ce que j'entends par privatisation d'Internet ? Pourquoi, à ses débuts, Internet a été vu comme un outil au service de la démocratie? Parce que, là aussi c'est une question de design, de conception, parce que, techniquement parlant, Internet c'est un réseau qui est décentralisé. Un réseau qui est décentralisé, c'est-à-dire que chaque ordinateur connecté sur le réseau est un point de ce réseau, et chaque ordinateur connecté peut à la fois recevoir des informations, mais il peut aussi en produire et en faire circuler. Ce qui rend la censure très compliquée sur Internet. Quand un État voulait censurer une information, avant, c'était très simple, puisque les médias répondaient à ce qu'on appelle un modèle 1 à tous. Il y a un point d'émission et une multitude de points de réception. Vous avez le studio télé qui émet et vous avez des postes de télévision qui reçoivent. Vous avez un studio radio qui émet, des postes qui reçoivent. Vous avez une imprimerie, une rédaction et des milliers de kiosques qui distribuent le journal. Donc si on voulait censurer, on agissait sur le point de production, c'était réglé. Maintenant, avec Internet, c'est beaucoup plus compliqué, parce qu'effectivement, le réseau est décentralisé. Donc si vous faites fermer un point, vous censurez un ordinateur sur le réseau, ben, l'information elle passera par les autres points sur le réseau. Donc ça rend la censure très compliquée sur Internet. Alors je pourrais rentrer dans les détails pour... Effectivement, il y a quand même des moyens de filtrage. Facebook n'existe pas en Chine, il n'y a pas YouTube en Iran, etc., etc. Parce qu'on peut quand même supprimer certaines adresses. Mais bon, la censure est rendue quand même beaucoup plus compliquée. Sauf que ce à quoi on assiste aujourd'hui, c'est à une forme de recentralisation d'Internet avec ce qu'on appelle les GAFAM. Les GAFAM, ce sont les grandes compagnies d'Internet, Google, Apple, Facebook, Amazon, Microsoft, GAFAM. Ces 5 entreprises, elles sont tellement populaires, elles sont tellement utilisées par les internautes qu'à elles seules, elles accaparent presque la majorité des usages d'Internet. Ce qui veut dire qu'elles recentralisent le web autour de leurs services,
C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de choses qui se passent sur Internet qui passent par leur serveur. Et ce qui fait que ces compagnies-là, aujourd'hui, ont gagné un pouvoir de censure énorme et elles, elles peuvent décider, indépendamment des États, quelle information va être censurée ou pas, mais sans rendre de compte. Parce qu'encore, un État en démocratie doit rendre des comptes à ses citoyens. Là, on parle de compagnies américaines qui, concrètement, n'ont aucun compte à rendre à leurs usagers. Donc ça pose quand même des problèmes. Par exemple, dans le cadre d'une loi anti-fake news, c'est ce qu'a annoncé Emmanuel Macron au début du mois de janvier, en disant qu'on allait mettre en place une procédure qui permettrait de supprimer des contenus qui circuleraient sur les réseaux sociaux. Et c'est ce qu'ont fait les Allemands aussi avant nous, où justement on impose aux réseaux sociaux de supprimer des contenus. Historiquement parlant, Google ou Facebook ont toujours été réticents à censurer les contenus, parce qu'ils sont quand même dans une idéologie qu'on appelle Lili, libéral-libertaire, très libéraux sur les questions économiques, très libertaire sur la question de liberté d'expression, c'est-à-dire, eux, leur point de vue, c'était le point de vue du plombier, de dire, moi, je gère les tuyaux, ce qui circule dans les tuyaux, ça ne me regarde pas. Mais, avec la profusion des discours de haine, avec la propagande djihadiste, avec les fausses informations, ces entreprises ont commencé à se dire qu'elles devaient quand même agir, retirer des contenus, supprimer des comptes, etc. Et ce qu'a révélé le journal Le Monde il y a un mois à peu près, c'est justement la manière dont Facebook a fait un grand nettoyage en supprimant des comptes, en supprimant des pages, mais de manière totalement opaque. Pourquoi on a parlé de cette affaire ? On a parlé de cette affaire parce que la page d'Alain Soral, idéologue de, marqué à l'extrême droite, et son site Égalité et Réconciliation, là aussi marqué à l'extrême droite, ont été supprimés de Facebook alors qu'ils avaient des centaines de milliers d'abonnés. Et donc, tout le monde se réjouit de dire, effectivement, Alain Soral, Égalité et Réconciliation, ont perdu une tribune, vont moins embrigader les gens. Le problème, c'est que nous, en tant que citoyens, on n'a aucune information de la part de Facebook sur quels sont les critères à partir desquels cette censure elle est opérée. Parce qu'il y a aussi des sites satiriques qui ont été supprimés, mais on ne nous explique pas pourquoi. Alors, quand des propos sont racistes, misogynes, homophobes, ou qu'on est face à de la propagande djihadiste, on est face à des propos qui enfreignent les chartes de publication des réseaux sociaux. Donc c'est légitime que Facebook les supprime. C'est tout à fait légitime. Par contre, étant donné le rôle démocratique qu'obtiennent aujourd'hui ces plateformes, on pourrait aussi exiger d'eux qu'ils soient plus transparents et qu'ils nous disent pourquoi ils suppriment des contenus, pourquoi ils suppriment des comptes et à partir de quels critères. Donc c'est ça que je voulais, l'idée que je voulais faire passer en parlant de privatisation d'Internet, c'est que aujourd'hui, on est face à des entreprises qui prennent un pouvoir politique énorme sur le réseau, notamment en termes de censure, en termes de filtrage des informations. Et ça, effectivement, c'est quand même un sujet de préoccupation pour l'avenir de la liberté d'expression et qui nous regarde toutes et tous en tant que citoyens. Voilà ce que je voulais vous dire et puis on peut revenir sur différents points dans la discussion. Merci pour votre attention. D'autant plus, il faut le rappeler, que ces entreprises gagnent autant d'argent en propageant des fausses nouvelles que des vraies nouvelles. Oui. Ça pose un problème quand même. Effectivement, cette question de la propagation des fausses nouvelles, elle est très liée au modèle économique notamment des plateformes de réseaux sociaux. Une petite anecdote qui l'illustre, peut-être que vous en aviez entendu parler, mais pendant la campagne électorale américaine, des journalistes du média BuzzFeed s'étaient rendu compte que un grand nombre de fausses informations pro-Trump étaient produites en Macédoine. Et ils s'étaient demandé, on parle d'une centaine de sites, donc c'est quand même pas mal de sites, qui venait de Macédoine. Il s'était dit, mais pourquoi les pro-Trump ont délocalisé leurs usines à fausses informations en Macédoine ?
Ils sont allés sur place en pensant trouver des partenaires du candidat républicain. Et en fait, ils sont tombés sur des ados, 15, 16, 17 ans, qui n'avaient aucune volonté de soutenir Trump, mais qui s'étaient rendu compte qu'ils pouvaient gagner beaucoup d'argent en propageant des fausses informations pro-Trump. Comment ça marche ? Ils s'étaient rendu compte que les fausses informations pro-Trump étaient massivement partagées sur le Facebook américain. Donc, qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ils ont créé des sites de fausses informations sur lesquels ils ont mis de la publicité. Et à chaque fois qu'un internaute venait sur leur site et voyait une publicité, il gagnait un peu d'argent. Il créait des fausses informations et après, il les mettait en circulation sur Facebook, sur le Facebook américain, et les internautes américains les partageaient massivement, cliquaient sur le lien et arrivaient sur leur site, et là, ils gagnaient de l'argent. Et ce que disaient les journalistes de BuzzFeed, c'est que pour les plus productifs de chez ces ados, ils pouvaient gagner jusqu'à 5 000 $ par mois, alors que le revenu moyen en Macédoine, c'est de 400 €. Donc, effectivement, il y a un modèle économique qui favorise cette propagation. Aujourd'hui, c'est un peu moins le cas. C'est vrai que Facebook montre sa volonté de davantage réguler les informations qui circulent, parce que cette controverse sur les fake news, elle a quand même terni son image. En France un petit peu, aux États-Unis beaucoup. Mark Zuckerberg a été convoqué devant le Sénat américain pour témoigner de la manière dont la Russie avait fait passer de la propagande en achetant des encarts publicitaires sur Facebook, etc. Donc, pour redorer son blason, Facebook s'est mis à davantage intervenir, quitte à perdre un peu d'argent sur les revenus publicitaires générés sur sa plateforme, mais pour redorer un peu son image. Qu'est-ce qu'on peut faire pour lutter contre se prémunir contre les Facebook, les fake news, pardon. Alors il y a plusieurs pistes. Comme je le disais tout à l'heure, le problème des fake news, c'est un problème qui est beaucoup plus profond que des simples fausses informations. On voit bien que ça accompagne un mouvement de défiance des citoyens. Si vous voulez, pour moi, les fake news, c'est un peu un nouvel indicateur de la crise démocratique qu'on a en France et dans d'autres pays, de ce fossé qui se creuse entre les élites d'un côté et la population de l'autre. Donc, si on veut lutter contre ce mouvement, la meilleure solution, c'est l'éducation aux médias, l'éducation numérique, mais ça se fait pas du jour au lendemain. C'est pas du jour au lendemain où on va instaurer des nouveaux programmes, qu'on va éduquer les plus jeunes pour savoir faire le tri, même si c'est nécessaire. Donc il faut aussi agir à court et moyen terme face à ça. Alors il y a plusieurs pistes et plusieurs acteurs. Par exemple, dans la loi anti-fake news proposée par Emmanuel Macron, il y a effectivement cette nouvelle procédure judiciaire qui pose des questions en termes de nouvelles formes de censure. Il y a aussi des aspects positifs derrière cette loi, notamment l'idée d'imposer aux réseaux sociaux d'être transparents sur la manière dont sont alloués les espaces publicitaires sur Facebook. C'est-à-dire que nous, qu'on voit un post sponsorisé, qu'on puisse savoir qui a payé pour y avoir accès, qui est derrière, ça va dans le sens d'une meilleure information des citoyens. Il y a aussi cette idée de limiter les montants investis dans la publicité sur Facebook pendant les campagnes électorales. Là aussi, tous les médias sont soumis à ce type d'injonction en période de campagne électorale, donc il n'est pas non plus surprenant qu'on cherche à les imposer à des plateformes sur Internet. Donc ça, c'est du côté des pouvoirs publics. On a aussi les journalistes qui sont engagés dans cette lutte contre les fausses informations, notamment ce qu'on appelle les fact-checkers, les journalistes qui vérifient les informations et qui publient des démentis sur les réseaux sociaux avec plus ou moins d'efficacité, et qui jouent un rôle important, justement, de porter la contradiction à des discours mensongers. Et puis il y a aussi les citoyens, les internautes lambda qui peuvent contribuer à signaler les fausses informations et puis qui pourraient même peut-être contribuer à évaluer les sources d'informations en faisant, on peut imaginer, il y avait un collectif qui s'appelle Savoir Commun qui avait parlé de l'idée de créer un annuaire contributif des sites d'information
à la manière d'un Wikipédia, en gros, des fake news, où les internautes eux-mêmes contribueraient à sourcer la fiabilité des sources d'information en ligne. Donc il y a plusieurs pistes. Il y a les plateformes, il y a les pouvoirs publics, il y a l'éducation, il y a les médias et les citoyens. On peut peut-être passer la parole à la salle si vous avez des questions. Qui se lance ? Oui, bonjour. Sans les réseaux sociaux, Donald Trump aurait-il été élu puisque 90-95% des journalistes annonçaient sa défaite ? Alors là, je suis bien incapable de répondre à cette question. Est-ce que Trump aurait été élu sans les réseaux sociaux ? Alors, je pense qu'il ne faut pas non plus trop accorder trop d'importance aux réseaux sociaux à ce niveau-là, même s'ils sont une source d'information importante. Je pense que dire que l'élection de Trump, elle est liée aux fake news ou elle est liée aux réseaux sociaux, c'est justement un peu se voiler la face et ne pas regarder quels sont les problèmes profonds qui ont poussé un certain nombre d'Américains à voter Donald Trump. Et c'est aussi une manière de ne pas vouloir voir justement la défiance qui grandit au sein de la population. Donc je ne sais pas si Trump aurait été élu sans les réseaux sociaux. En tout cas, le mécontentement qu'il a porté, lui, il ne dépend pas que des réseaux sociaux. C'est clair et net. J'ai une question ici au premier rang, là. Oui. Oui, vous avez parlé de Google et de ses biais, notamment présenter des résultats en fonction des requêtes qu'on a faites auparavant. Qu'est-ce que vous pensez d'un moteur de recherche européen comme Quant ? Est-ce que ça a le même genre de biais ? Non, justement. Ces moteurs de recherche alternatives vous proposent de ne pas utiliser vos données personnelles. Alors, je suis pas sûr de si c'est le cas de Quant, mais il me semble que si, qu'effectivement, il n'y a pas d'utilisation de vos données personnelles ni de revente à des tiers. Et ce sont des moteurs de recherche qui, justement, essayent de développer d'autres approches, notamment en termes de transparence de l'algorithme, de la manière dont vous sont proposées les informations, pour que vous puissiez en savoir un peu plus sur comment les informations vous sont proposées. Donc, effectivement, il n'y a pas le même genre de biais sur tous les moteurs de recherche. Mais je parle de Google parce que c'est le moteur de recherche qui est ultra dominant. Je crois qu'en France, c'est 93% des internautes qui l'utilisent. Concernant les... Oui, je ne vous vois pas. D'accord, oui, je vous vois, ça y est. Concernant les fake news, est-ce que vous pensez que la loi sur la liberté de la presse qui condamne les fausses informations est suffisante ou est-ce qu'il faudrait une nouvelle loi pour punir en fait, ces fausses informations ? Alors, la loi sur la liberté de la presse, effectivement, elle n'est pas appliquée, alors qu'elle contient... Enfin, elle n'est pas appliquée sur ce point-là. Effectivement, elle contient des éléments pour punir la propagation des fausses informations qui pourraient très bien être appliquées à ce que l'on connaît aujourd'hui. Donc sur ce point-là, il pourrait être intéressant de regarder comment on pourrait l'appliquer plutôt qu'en faire une autre. Cela dit, il y a quand même une spécificité au phénomène des fausses informations, notamment aujourd'hui, notamment... par le rôle que jouent les réseaux sociaux, qui là impose aussi une nouvelle, peut-être pas forcément des nouvelles lois, mais en tout cas des nouvelles contraintes à imposer justement à ces plateformes, notamment en termes de transparence. Alors, comme je le disais, dans la loi, il y a des choses intéressantes, d'autres qui sont plus inquiétantes. On peut regarder ce qui s'est passé en Allemagne. En Allemagne, aujourd'hui, il y a une loi sur les fake news qui est passée. Alors, c'est même une loi sur les discours de haine qui oblige la plateforme à faire retirer un contenu qui pose problème en 24 heures. Donc, vous êtes un internaute, vous signalez un contenu haineux, et puis vous avez des modérateurs chez Facebook qui vont décider si le contenu doit être supprimé ou pas effectivement. Ça fait scandale, ça fait controverse en Allemagne, cette loi, parce que le problème, c'est que Facebook a une amende si le contenu n'a pas été retiré en 24 heures, et vous comprenez bien que si quelqu'un chez Facebook se pose la question de savoir... Ce propos, il est ambigu, mais c'est de l'ironie, mais en même temps, il pourrait être mal interprété. J'hésite entre le supprimer ou ne pas le supprimer.
avec une loi comme ça, ils n'hésiteront plus, parce qu'ils n'ont rien à perdre à supprimer un contenu qui n'aurait pas mérité d'être supprimé, parce qu'ils vont juste rendre un internaute mécontent, alors que si ils décident de ne pas le supprimer et qu'ils ont une amende par la suite, c'est plus inquiétant pour eux. Donc la procédure judiciaire, elle pose quand même un certain nombre de problèmes. Ça, c'est pour les aspects négatifs. Il y a aussi des aspects positifs. Les pistes dressées par Emmanuel Macron étaient assez précises, mais voilà, à mon avis, il faut attendre de voir un peu vers quoi va s'orienter ce projet de loi. Je crois qu'il y a une question là-bas. Où... Oui, ouais, moi j'ai une petite question. C'était au niveau des bulles de filtrage. Je voulais savoir en fait pourquoi Google et tous ces moteurs de recherche, ils voulaient nous conforter dans nos opinions, ils ne voulaient pas nous confronter à d'autres arguments qui sont contradictoires avec ce qu'on pense. Eh ben, c'est pour des raisons économiques, qui est que la manière dont Google et Facebook gagnent de l'argent, c'est en nous exposant à de la publicité. Comment Facebook et Google nous exposent à de la publicité ? Enfin, plutôt, plus longtemps on reste sur Facebook ou sur le moteur de recherche Google, plus on l'utilise, plus on est exposé à de la publicité et plus on fait gagner de l'argent aux plateformes. À une autre époque, on aurait parlé de temps de cerveau disponible, mais c'est un peu la même idée. Et donc, qu'est-ce que vont faire Google et Facebook pour qu'on passe un maximum de temps ? Ils vont nous proposer les contenus qui nous plaisent. Et la manière dont Google évalue les contenus qui nous plaisent, c'est en regardant ce qu'on a consulté avant. Il dit « Ah, cette personne a consulté tel type de contenu, donc je vais lui redonner le même genre de contenu pour qu'elle continue à rester sur le moteur, à regarder les résultats et à voir de la pub, ça me fait gagner de l'argent. » Pareil pour Facebook, je veux que les gens passent le plus de temps possible sur Facebook, donc je vais leur proposer les contenus qui les font rester. Et comment Facebook évalue les contenus qui nous font rester ? Ben, c'est ceux qu'on a likés, qu'on a partagés, qu'on a commentés auparavant. Et donc, à la base, c'est un enjeu qui est commercial de gagner de l'argent avec la pub. Le problème, par exemple, sur Facebook, c'est que Facebook n'avait pas anticipé que derrière ça, à partir du moment où Facebook devenait un site d'information, ce qui n'était pas à la base, ça créait d'autres types de biais sur le plan politique. Mais en tout cas, voilà, c'est d'abord une stratégie commerciale. Oui, au fond. Ah, oui, allez-y. Vous parlez des fake news et vous avez évoqué une fake news comme quoi, enfin quand même assez grosse, qui est dure à croire, que les célibataires devraient accueillir un migrant. Mais est-ce que vous ne pensez pas que le fait de relayer des fake news, c'est aussi pour peut-être montrer un désintérêt des médias classiques de nos jours, pour montrer que, enfin voilà, on se moque un peu de nous, par exemple. Enfin, quand je vois autour de moi les gens qui partagent ça, c'est des gens qui sont souvent pas mal de gauche et qui pense ça. Si c'est pas aussi pour se moquer de la classe politique, puisque les journalistes aussi eux-mêmes reprennent des fake news, comme par exemple sur le plateau de Laurent Ruquier, je sais plus quel journaliste avait dit que la ministre de l'éducation voulait apprendre l'arabe à l'école, alors que c'était totalement faux. Mais si, moi je suis complètement d'accord avec ça. C'est justement ce que je voulais dire quand je parlais du fait que les fake news étaient aussi un nouvel indicateur d'un mécontentement citoyen. C'est qu'elles sont utilisées comme une prise de parole de défiance, et vous avez raison de le dire, envers les médias. C'est-à-dire que il y a cette idée de dire les médias nous mentent, les journalistes racontent n'importe quoi, sont au service du pouvoir, donc moi, je m'informe via des médias alternatifs, je suis un citoyen libre, etc. Et le biais qui est derrière tout ça, c'est que ces personnes-là se retrouvent à faire plus confiance à un obscur blog dont on ne connaît pas du tout l'auteur, qui ne dit rien de lui, plutôt qu'aux journalistes traditionnels. Moi, je pense que c'est sain en démocratie d'avoir un regard critique sur les médias et sur le travail des journalistes, parce qu'il y a beaucoup de choses à leur reprocher. Mais si la réponse à ça, c'est d'être encore plus crédule et prendre n'importe quelle source d'information, c'est pas forcément la bonne façon de s'y prendre. Mais en tout cas, je suis sur l'idée que c'est aussi une parole contre les médias. Et d'ailleurs, dans ce que disent les fake news, il y a très souvent un discours anti-média. Les médias nous le cachent, mais Emmanuel Macron a détourné de l'argent, etc. etc. Question ? Oui, là-bas. Je vais en rajouter une couche, puisque j'ai le micro, sur ce qu'on pourrait appeler n'y a-t-il pas des fake news par omission ? Et je vais prendre un exemple récent. Il y a eu un sondage qui est intervenu à la fin janvier sur la popularité
du président de la République et du Premier ministre. Et l'Institut de sondage a noté qu'il y avait eu une baisse nationale assez sensible de 5 à 7 %. Il se trouve que dans ce même sondage, il était indiqué que pour les régions Bretagne et Pays de la Loire, la baisse de popularité du président de la République était de 50 %, passant de 66 à 34 %. Moi, j'ai constaté que dans les journaux régionaux, enfin, le Télégramme fait une exception, mais effectivement, que ce soit Ouest-France ou Presse-Océan, cette information a été passée sous silence. Alors, est-ce qu'il peut y avoir, en quelque sorte, des mensonges par omission? Alors, je ne dirais pas que c'est une fake news. Par contre, c'est aussi un problème, effectivement, de démocratie. Et là, c'est plutôt un problème lié au travail journalistique et au décortiquage de l'information. Mais les sondages sont une bonne illustration, justement, de ces omissions qui sont, que les journalistes font lorsqu'ils décortiquent des enquêtes d'opinion. Ça, c'est vraiment aussi un problème, l'absence de remise en cause des méthodes des sondages, qui, en plus, ces dernières années, se sont quand même beaucoup trompés dans leurs prédictions. Et cette dépendance des journalistes aux sondages, sans forcément de regard critique sur la méthode, etc., c'est un problème. C'est un problème très important. C'est pas vraiment une fake news, mais c'est aussi une forme de désinformation, si on veut. Monsieur Barbarin, une question courte. Oui, est-ce que vous ne croyez pas que dans cette fake news, Facebook, cette super communication, on se met dans une espèce de soumission volontaire, parce que il y a des amis, et les amis des amis, qu'est-ce que l'on contrôle? Et est-ce que vous ne croyez pas que peut arriver là des piratages? Une soumission volontaire par rapport aux plateformes? Oui. Par rapport à Facebook? Non, mais par rapport les amis des amis. Oui. Qui sont les amis des amis que s'introduisent là des gens qui font des piratages? Si. Alors ça existe. Du coup, c'est effectivement un autre type de problème, usurpation d'identité, l'utilisation de comptes, de faux comptes, etc. Alors si, ça c'est effectivement un autre type de problème. Alors faut savoir que vous, en tant qu'utilisateur de Facebook, vous avez quand même la possibilité de refuser et puis de paramétrer votre compte. Hein. Vous allez dans les paramètres de sécurité, vous pouvez décider très précisément de ce que vous voulez que les gens voient, de ce que vous voulez de qui doit être votre ami, qui ne doit pas l'être, etc. Après, c'est vrai que dans la population, étant donné qu'il y a un manque de culture par rapport à la protection des données personnelles et de la vie privée, la plupart des gens ne font pas ce travail de paramétrer les comptes. Mais c'est quand même accessible. Le point politique que je vois derrière tout ça, moi, c'est plutôt la question justement de l'utilisation des données personnelles. Il y a cette phrase qui dit que sur Internet, si c'est gratuit, c'est vous le produit. C'est un peu ça, c'est-à-dire qu'effectivement, pourquoi Facebook c'est gratuit? Parce que c'est nous le produit que vend Facebook, ce sont nos données personnelles, notre attention, qui sont réutilisées à des fins commerciales après. Non, mais ça peut aller plus loin, parce que certains, on peut se livrer sur des choses personnelles, politiques, par exemple, que ça peut être utilisé aussi. Personnellement, je n'utilise pas Facebook. Oui. Par précaution. Voilà. Ah ben là, vous êtes protégé, alors. Vous n'êtes pas à l'abri de quelqu'un qui crée un faux compte, ça c'est vrai, par contre. Est-ce que les fake news ne prennent pas corps quand précisément l'idée que ce soit possible préexistait déjà, la propagation de la fake news? C'est-à-dire qu'elle naît parce qu'on trouve que c'est tout à fait plausible que ce soit le cas. Alors ça, si, complètement. Dans le phénomène d'adhésion aux fake news, je vous parlais des dimensions politiques. Il y a aussi une dimension psychologique qui est très importante. Il y a une étude qui a été réalisée l'année dernière sur justement la propagation des fausses informations. Elle est très intéressante. Alors, j'ai plus les chiffres en tête, mais en gros, on testait sur deux panels différents
Le regard critique sur les fausses informations, un panel auquel on donnait une fausse information, on demandait aux gens s'ils y croyaient ou pas, et puis à la fin on leur disait que c'était une fausse information, et puis un autre panel à qui on donnait la fausse information en leur disant c'est une fausse information. Voici une fausse information, qu'est-ce que vous en pensez, etc. Et puis 2 mois plus tard, ils recontactaient les gens du panel pour savoir, mais à votre avis, c'était vrai ou c'était faux, etc. Et il y avait un nombre très important de gens à qui on avait dit que c'était une fausse information, qui pensaient quand même que c'était vrai. Et quand les sociologues derrière l'enquête ont dit, mais on vous a dit que c'était faux, pourtant, on en a parlé, vous avez bien vu que c'était pas une vraie information. La réponse que leur donnaient les gens, c'était, ah non, mais peut-être que celle-là, elle est fausse, mais ça pourrait aussi bien être vrai. Il n'y a pas de fumée sans feu. Donc voilà, c'est vraiment ça, cette idée que ça propage ces fausses informations sur un terreau. Voilà. C'est ça, exactement. Oui. Oui, j'ai une question là. Oui, vous avez évoqué tout à l'heure l'éventualité de constituer une sorte de bible contributive des fake news sur le modèle Wikipédia. Ce qui fait peur, c'est que le modèle Wikipédia, il n'est validé par personne. Ce qui veut dire que dedans, on peut trouver des pépites et des choses passionnantes, mais n'importe quoi, y compris cet exemple que tout le monde connaît d'un prof qui avait donné à ses étudiants une dissertation à faire sur un auteur qui n'avait jamais existé et qu'il avait déposé sur Wikipédia avec une biographie, etc. Il y a quand même un risque. Qu'est-ce que vous en pensez ? Alors oui, effectivement. En fait, la question du fact-checking, la régulation des fausses informations par les journalistes, comme le fait Le Monde, les décodeurs du Monde, par exemple, elle est intéressante parce que c'est des professionnels de l'information qui vérifient. Donc eux, leur posture, c'est de dire... On ne juge pas du contenu de la fausse information, mais on juge de la méthode qui a été suivie. Est-ce que les faits ont été vérifiés ? Est-ce qu'il y a des sources, etc. Ça, c'est tout à fait pertinent. Le problème, c'est une question de légitimité. C'est-à-dire que quand Le Monde a sorti son outil, le Décodex, qui juge des sites, la critique qui a été faite, c'est « Mais qui êtes-vous pour juger de vos concurrents sur le marché de l'information ? Vous êtes jugé parti, donc vous essayez de décrédibiliser des sources alternatives d'information, etc. » Et donc, pour échapper à cette remise en cause de leur légitimité, c'est pas moi qui ai proposé cette idée, c'est un collectif qui s'appelle Savoir Commun qui disait on peut aussi mobiliser les internautes, essayer de faire quelque chose de contributif, parce que la légitimité, elle viendrait du fait que tout le monde peut contribuer à ce sourçage. Effectivement, le biais qui est derrière, c'est, bah oui, mais si les gens qui participent à cette encyclopédie collaborative sont des gens qui produisent eux-mêmes des fausses informations, évidemment, ils vont pas dire qu'ils produisent des fausses informations. Alors, Wikipédia, il y a des cas, effectivement, de cet exemple de ce professeur. Mais à mon avis, la page, il a fait ça rapidement. Je crois que c'était une semaine à l'autre. Mais il y a quand même une forme de régulation collective sur Wikipédia qui fonctionne quand même plutôt bien. Hein. On trouve des mensonges sur Wikipédia, mais compte tenu de l'ampleur de l'encyclopédie, on en trouve quand même peu. Et la manière dont se prennent les décisions de savoir si telle information doit être publiée ou pas se fait justement dans les pages discussion dont je parlais tout à l'heure. Donc, ce qui veut dire que la régulation, elle est transparente. C'est-à-dire que nous, en tant qu'internautes, on peut savoir qui a contribué à cette encyclopédie et on peut savoir quels ajouts ils ont fait et quand ils n'étaient pas d'accord, quels arguments ils se sont opposés. Donc c'est plutôt cette méthode-là de régulation collective à la Wikipédia qui pourrait être intéressante dans une encyclopédie sur les sources d'information, parce qu'on pourrait savoir qui a dit quoi et qui cherche à influencer la décision collective. Mais effectivement, pour que ça fonctionne, une encyclopédie collaborative sur les sources d'information, il faudrait qu'on ait des journalistes aussi qui y participent, il faudrait qu'on ait des citoyens bien intentionnés, etc. Et effectivement, on peut pas balayer d'un revers de main le risque qu'il y ait des biais sur les présentations des sources. D'autant plus que, si je peux me permettre d'ajouter quelque chose, les plus grands consommateurs de Wikipédia, et là je m'adresse un peu à nos jeunes camarades qui sont là aujourd'hui, sont bien souvent des jeunes. Et quand on regarde les bibliographies de leurs travaux et mémoires, dans la bibliographie, on trouve Wikipédia à peu près à toutes les pages.
Est-ce qu'ils ont toujours l'envie, on va dire le temps, parce que j'ai envie d'être gentille, de vérifier les sources ? Pour eux, à partir du moment où c'est un petit peu comme dans les campagnes françaises au XVIIIe siècle, au XIXe siècle. C'est écrit, c'est que c'est vrai. Monsieur le curé l'a dit, c'est que c'est vrai. Wikipédia l'a dit, et c'est sur Internet, donc c'est vrai. En ce qui concerne, en tout cas, leurs travaux, est-ce que il n'y a pas justement cette dérive de ne pas avoir envie d'aller plus loin, vérifier la fiabilité des informations ? Alors ça, je saurais pas vous dire. Si il y a certainement quelque chose de cet ordre-là, l'enjeu derrière tout ça, c'est justement un enjeu d'éducation aux médias et aux pratiques du numérique. À l'école, notamment au collège ou au lycée, il y a des enseignements d'éducation aux médias et à l'information. Il y a le centre de ressources, le CLEMI, sur ces questions-là. Mais effectivement, dans les programmes scolaires, cette éducation aux médias, à l'information numérique, ça reste quand même le parent pauvre. C'est-à-dire que c'est des cours qui sont laissés à la bonne volonté des enseignants. Quand les enseignants se sentent à l'aise pour aborder ce sujet, ils le font. Sinon, ils ne le font pas. Et donc, ça passe un peu à la trappe, souvent, alors même que c'est vraiment quelque chose de fondamental et que, dès le primaire, il faudrait des formations très poussées pour avoir un regard un peu plus critique sur les sources d'information sur Internet. Parce que quand on grandit avec Internet, il y a quelque chose de l'ordre de l'évidence. C'est-à-dire que quand vous avez commencé à utiliser Internet dans les années 90, le web a beaucoup changé depuis. Vous savez que vous avez une connaissance de la manière dont ça fonctionne, etc. Donc, potentiellement, un peu plus de regard critique. Mais quand vous grandissez avec, vous ne remettez pas d'emblée en cause le marché de l'information que ça produit, ses biais, etc. Donc, c'est sûr qu'il y a besoin de l'école sur ces questions-là pour marquer le coup, quoi. Oui. Il y a la semaine de la presse à l'école, effectivement. Jean ? Oui. Merci. Je me demande si, au-delà de tout ce que vous avez évoqué, il n'y a pas un phénomène plus grave avec la naissance peut-être d'un réseau, d'un Internet à deux vitesses pour nous tous, et puis par ailleurs des éléments nouveaux comme Telegram, par exemple. Ah oui. Alors ça, c'est encore autre chose. Effectivement, c'est l'idée de la partition d'Internet, de la balkanisation, c'est-à-dire qu'en fait, il y a l'Internet public que tout le monde voit et auquel tout le monde a accès, et puis il y a d'autres formes d'Internet qui sont effectivement cachées, ce qu'on appelait le dark web, etc. Telegram, c'est encore autre chose, effectivement, c'est une messagerie, mais c'est crypté, on n'y a pas accès. Alors Telegram, je mettrais ça un peu à part, hein. C'est un peu comme des listes de discussion, mais qui sont fermées, cryptées, etc. Mais ça, c'est pas forcément de l'Internet en tant que tel. Mais effectivement, c'est vrai que je parlais d'enfermement idéologique tout à l'heure, au-delà de ça, aujourd'hui, ce dont on se rend compte, c'est que les gens évoluent dans des petits cercles d'information, de sites sur Internet, avec leurs proches, avec leurs sites de référence, etc. Et ne vont pas forcément voir d'autres sources, contacter d'autres personnes, etc., pour avoir un point de vue un peu différent. Donc il y a effectivement ce risque de fragmentation d'Internet entre différents espaces qui ne communiqueraient plus ensemble, quoi. Il y a une question là, si vous voulez. Oui. Il y en a deux. Oui, je crois qu'au niveau d'Internet, on peut trouver le pire et le meilleur, bien sûr. Et sur Wikipédia, et c'est une source d'information, on en a parlé, qui est immense. Mais moi, j'ai été frappé par le succès récemment, qui a été évoqué dans la presse, le succès des thèses complotistes. Et j'ai été effaré par le pourcentage de personnes qui adhèrent à ces thèses complotistes, et probablement beaucoup parmi les jeunes générations. Et est-ce que le risque, finalement, d'Internet n'est pas d'abaisser le niveau culturel moyen de la population, compte tenu du fait que notre génération n'utilisait pas Internet, puisque c'est quand même très très récent, et que les nouvelles générations qui puisent énormément d'informations auprès d'Internet, est-ce qu'il y a corrélation entre l'adhésion à ces thèses et ce qui circule sur les sites
en particulier ces thèses complotistes. Oui, il y a évidemment une corrélation. C'est-à-dire que c'est pas Internet et les réseaux sociaux qui ont inventé les rumeurs ou les théories du complot. Il y en a toujours eu. Par contre, avant, les complots et les informations sourcées ne cohabitaient pas dans les mêmes espaces. C'est-à-dire que vous aviez les médias dans lesquels vous aviez une information majoritairement vérifiée. Alors effectivement, il y a toujours des journalistes qui ne font pas très bien leur boulot, mais quand même, c'est quand même majoritairement vérifié tout ça. Et puis les théories du complot qui circulaient de bouche à oreille, les rumeurs, et voilà. Ce que changent les réseaux sociaux, c'est effectivement de faire cohabiter tout ça dans le même espace et de les mettre au même niveau, c'est-à-dire que la manière dont s'affiche un article du Monde ou s'affiche un article de blog sur une thèse complotiste vont avoir exactement la même forme, la même présentation. Donc ça revient un peu aux questions d'éducation, c'est quand on n'a pas été éduqué à aller voir la source et à la remettre en question pour comprendre, pour la critiquer, effectivement, on peut avoir tendance à penser que tout est au même niveau. Le sondage en question, par contre, était quand même particulièrement alarmiste. Peut-être que dans sa méthode, il était un peu trop poussé, mais c'est vrai que les chiffres étaient relativement inquiétants. La question que je me pose, moi, c'est à quel point les gens adhèrent vraiment à cette théorie du complot et quelle est la part d'activité sociale qui est derrière, c'est-à-dire le plaisir de se prendre pour un lanceur d'alerte ou un journaliste d'investigation qui remet en cause le 11 septembre, qui remet en cause les vaccins, les médicaments, ce que vous voulez, etc. Et quelle est la part de vraiment conviction profonde que tout ça est faux ? Alors ça, bah, évidemment, j'ai pas de réponse à cette question-là, mais il y a aussi une forme d'activité sociale à prendre plaisir à parler des complots, à faire circuler de la formation, mais parmi ceux qui partagent des informations sur les Illuminati ou sur les reptiliens, qui est vraiment convaincu qu'il y a une société secrète qui tire les ficelles ou que Hillary Clinton est en fait un crocodile déguisé en être humain, voilà, pour le dire vite. Donc c'est difficile de savoir à quel point c'est vraiment ancré chez les gens. Mais ce qui est sûr, c'est qu'effectivement, l'écosystème de l'information, aujourd'hui, il a tendance à favoriser cette propagation, en mettant tout à la même échelle, quoi. Bonjour. Oui. Vous avez parlé tout à l'heure de savoir commun. Je ne vous vois pas, excusez-moi, vous pouvez lever la main. Ah, vous êtes là-bas. Okay. Oui, bonjour. Tout à l'heure, vous avez parlé de savoir commun. Est-ce que ça a un lien avec sens commun ? Ah non, pas du tout, rien à voir. J'ai une deuxième question. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut avoir une vie sociale, une vie de vivre ensemble, sans avoir son compte à Facebook, à Twitter et les autres ? Alors, savoir commun n'a rien à voir avec sens commun. Savoir commun, c'est un collectif qui réfléchit à la question des biens communs sur Internet, au partage des codes sources, les logiciels libres, etc. Donc vraiment rien à voir. Est-ce qu'on peut avoir une vie sociale sans être sur les réseaux sociaux ? Évidemment, ça c'est clair et net. Je pense même que je pense que dans l'avenir, d'ailleurs, les nouvelles générations seront moins sur les réseaux sociaux que leurs aînés, de la même façon que les jeunes générations regardent moins la télé que leurs aînés. Regardez aujourd'hui, c'est plus Facebook qui est utilisé par les lycéens, c'est WhatsApp, Instagram et Snapchat, voilà, c'est ça. Et là, donc, on n'est pas dans des espaces où on se montre, où on se construit son identité, sur Instagram, si, pour le coup, mais voilà, où on raconte beaucoup sa vie, où on veut se montrer. On est vraiment dans l'idée d'échanger avec nos proches de tous les jours pour poursuivre le lien social qu'on a eu dans la journée. Donc je pense même que plus ça va aller, plus les gens vont avoir envie de se retrouver avec une forme de lien social plus classique, si je puis dire. Mais merci. Ça, peut-être que je suis optimiste ou je ne sais pas. Merci. J'ai une question devant, là. Oui, bon, il y a des pays qui arrivent très bien à bloquer des sites Internet, à bloquer les discours haineux, les discours qui ne leur conviennent pas. Je pense à la Chine, bien sûr, vous l'avez cité tout à l'heure. Ce n'est pas un exemple de démocratie, bien entendu. Comment se fait-il que dans nos démocraties, on n'arrive pas à avoir un organisme public
qui puisse réguler ces discours haineux, les interdire ou les supprimer. Comment se fait-il qu'on est obligé de se plier aux organisations comme Facebook ou Google pour réguler l'Internet ? Mais parce que justement, techniquement parlant, les contenus publiés sur Facebook sont hébergés sur les serveurs de Facebook. Donc c'est eux qui ont la propriété de ce qui s'y déroule. Et un État ne peut pas exiger d'avoir accès aux serveurs pour faire retirer du contenu comme ça. Alors, justement, c'est un cas particulier. En fait, ce que font les États qui censurent des sites, c'est que quand vous êtes un État, vous ne pouvez pas contrôler vraiment ce qui se passe sur le réseau. Ce que vous pouvez faire, c'est, en fait, comment ça marche Internet au niveau international. Il y a des câbles qui relient les réseaux, des câbles physiques, hein, il y a des câbles sous les océans, dans l'Atlantique, qui font le tour de l'Afrique, etc. Et donc, il y a des points d'interconnexion, en France et à Marseille, et donc en Chine, il doit y avoir plusieurs points d'interconnexion sur le territoire. Et donc, si l'État contrôle ce point d'interconnexion, ce qui est toujours le cas, à cet endroit-là, ils peuvent mettre un filtre pour dire pas d'adresse Facebook, pas de YouTube, pas de Google, parce qu'on interdit aux internautes, on bloque l'accès. Par contre, ce qui se passe sur le réseau, même en Chine, des discours haineux, etc., c'est beaucoup plus difficile à réguler. On peut pas les supprimer directement. Alors, ce que fait la Chine, c'est avoir des centaines d'employés, des milliers, qui, tous les jours, passent leur temps à aller sur Internet, à essayer de repérer les propos qui sont tenus pour les supprimer, et puis avec un phénomène d'intimidation où si on vous envoie la police et qu'on montre que les blogueurs qui tiennent des propos subversifs sont arrêtés, ça dissuade un peu plus. Mais même ça, aujourd'hui, c'est moins le cas, c'est la pratique qui se fait beaucoup dans les pays autoritaires, c'est ce qu'on appelle l'astroturfing. Alors l'astroturfing, c'est un nom un peu étrange, pour dire que ce qui est le plus efficace aujourd'hui, c'est pas de censurer ce que disent les gens, c'est plutôt de noyer ce qu'ils disent dans des propos contradictoires. La Russie est forte pour ça, la Chine aussi. Si je suis un internaute chinois et que je dis vraiment le gouvernement ne fait rien pour nous, etc., une cellule du gouvernement va repérer ce message, plutôt que de faire supprimer, ils vont se faire passer pour des citoyens lambda et dire « mais tu dis n'importe quoi, c'est le meilleur gouvernement qu'on ait jamais eu, etc. » Et étant donné qu'ils vont être des dizaines, voire des centaines à dire ça, l'internaute qui tombe sur le message subversif, mais qui voit qu'il y a une centaine de personnes qui ont dit que c'était n'importe quoi, va être beaucoup plus convaincu par cet effet de masse que par la censure. Et donc ça, effectivement, c'est une nouvelle forme de pratique. Alors sur le pourquoi on n'arrive pas à censurer, donc effectivement les serveurs sont aux États-Unis, n'appartiennent pas à l'État français, et on ne peut pas non plus savoir quand quelqu'un publie quelque chose, on ne peut pas être alerté directement qu'un propos agressif a été tenu. Donc il y a un travail de veille considérable à effectuer. Avec le développement de l'intelligence artificielle, ça va être automatisé tout ça, mais c'est pas encore le cas. Je crois qu'il y a une question là-haut. Je prolonge un peu la question précédente. Vous avez plusieurs fois évoqué le projet de loi d'Emmanuel Macron pour lutter contre les fausses informations. Oui. Peut-on imaginer le développement d'un tel projet à l'échelle de la communauté européenne ? Alors, très bonne question. La Commission européenne a mis en place justement un groupe d'experts qui s'est formé au mois de janvier. D'experts européens sur la question en vue de légiférer sur le problème des fausses informations en Europe et de créer des directives à ce niveau-là. Donc on peut s'attendre à ce que dans l'année 2018, il y ait des actions européennes qui soient entreprises pour lutter de manière coordonnée contre les fausses informations. Parce qu'effectivement, les fausses informations, elles ne sont pas liées aux limites d'un État. Donc il faut des formes un peu plus coordonnées de régulation, sachant que le problème, c'est que la régulation des informations, elle est toujours liée à la culture politique d'un pays. Et par exemple, aux États-Unis, où la liberté d'expression, c'est vraiment la valeur absolue, on n'a pas du tout la même façon de concevoir la régulation sur les réseaux sociaux. Ça viendra à personne de dire que l'État va faire supprimer des contenus sur Facebook. Et en Europe aussi, on a des cultures politiques un peu différentes là-dessus. Donc il va y avoir de la coordination, à voir comment elle va se mettre en place. Oui, moi je voulais faire une petite remarque, à savoir que
Ces jours-ci, je crois qu'il y a eu un épisode malencontreux, sur lequel on n'a pas beaucoup d'influence, c'est-à-dire le climat. Bon, et puis une fois de plus, comme d'habitude, la France a montré son impuissance de ce côté-là. Mais et pourtant, bon, moi j'essaye de me tenir au courant de ce qui se passe. Bon, ben évidemment, quand on vous entend parler et puis que vous utilisez, j'ai fait de l'anglais, hein. J'ai appris l'anglais, mais pas celui-là. Eh bien, quand on vous entend parler, disons que tout est ouvert, mais on n'avance pas, quoi. Et puis surtout, on dépense maintenant beaucoup d'énergie à se défendre contre les fameuses fake news, tout ça. Quand on passe son temps à me demander le code de je ne sais quoi que j'ai pas utilisé depuis un an, vous pensez bien que vu mon allure, c'est parti depuis longtemps. Et pourtant, Ouais. Alors je sais. La question c'était. En gros, si je comprends bien, c'est le fait qu'il y ait beaucoup d'informations, mais qu'on n'arrive pas à s'informer, à trouver l'information qui nous importe. Alors, ça, c'est vrai. Il y a une grande question sur la question de l'apport d'Internet au pluralisme de l'information. Il y a certains chercheurs qui parlent d'un phénomène d'infobésité, c'est-à-dire qu'on croule sous les informations, mais au final, à quel point elles nous sont vraiment utiles, à quel point elles nous permettent de mieux agir. Est-ce qu'être plus informé, c'est être forcément mieux informé ? Ça, c'est la grande question. Une dernière question, monsieur Amieux d'Inville. Il y a quelqu'un qui lève la main depuis tout à l'heure, tout en haut, là. J'y vais ? Oui. Bon, si vous étiez spécialiste de la défense nationale, je vous dirais combien de divisions. On n'a pas beaucoup parlé de chiffres. Oui. Est-ce qu'on peut avoir, je ne vais pas dire pour rêver, ce n'est pas forcément le cas, le nombre de salariés chez Facebook et chez Google ? Le chiffre d'affaires et les bénéfices. Alors là, j'ai passé. Mais un ordre de grandeur, à quelques millions près. Ça se trouve. Millions près pour les chiffres d'affaires. Ça se trouve facilement. Alors les utilisateurs de Facebook, c'est plus de 2 milliards d'utilisateurs dans le monde, donc c'est énorme. Jamais une entreprise n'avait eu 2 milliards de clients de la sorte. Le chiffre d'affaires de Facebook, je ne sais plus, mais c'est très. Facebook est entré en bourse en 2015, 2016. Ce sont parmi les entreprises les plus profitables du monde. Facebook loin derrière Google quand même, loin derrière Google, Apple, etc. Combien d'employés ? Ça c'est la grande question. J'ai pas le chiffre en tête, mais ça se trouve facilement sur Internet. Mais ils sont quelques dizaines de milliers. Non, sur des sites. Pardon ? 53 000. Merci. 53 000, ouais, c'est ce que j'aurais dit 40 000, donc je n'étais pas si loin. Et en fait, ce qui change avec ces grandes entreprises de la Silicon Valley, c'est qu'avec un nombre minime d'employés, 53 000, pour 2 milliards d'utilisateurs, ils arrivent à générer des revenus publicitaires complètement, complètement incroyables. Et c'était quoi l'autre chiffre ? Alors, Google, je sais que son chiffre d'affaires, c'est en dizaines de milliards de dollars par trimestre, 42, d'accord. Alors je relaie les informations que j'entends, mais je ne sais pas les sources, alors je ne voudrais pas relayer des fake news, moi non plus, là, attention. Il y a quelqu'un qui regarde Wikipédia en même temps. En tout cas, c'est plusieurs dizaines de milliards, effectivement, on est dans ces eaux-là, entre 40, 50, 60 milliards de dollars par semestre pour Google, ce qui en fait l'entreprise la plus puissante du monde. Et quand on voit les projets sur lesquels travaille Google, autant sur l'intelligence artificielle qu'autres, il nous prévoit un futur qui dépassera largement les recherches sur Internet. Voilà, tout cela est passionnant. Je pense qu'on pourrait continuer la discussion. Merci infiniment. Merci Romain, beaucoup. Barbara. Merci à vous. Thank you.